L'organisation des Camélidies internationales et de la Bibliothèque Roi Abdelaziz. C'est le deuxième symposium de l'organisation des Camélidies. C'est un programme privilégié avec moi, Christine Adams, qui a écrit le livre Kamel Adams. Nous allons parler du lait de Chamel. Avant de présenter tout le monde, je voudrais me présenter. Je suis d'Allemagne. Je suis docteur. Je travaille en Inde, j'ai fait des expériences, je travaille aussi en Jordanie. J'ai bien aimé mon travail et mon doctorat traité de l'élevage des dromadaires. Et je suis allé en Inde et je travaille toujours en tant que leveuse de dromadaires et dernièrement, j'ai commencé ma première ferme de camélidés, de lait de camélidés en Inde. Et je voudrais parler aujourd'hui sur l'Organisation internationale des camélidés qui a été créée en 2019 avec plus de 100 pays qui ont été constitués à Riyad. Je suis très heureux d'avoir été à Riyad, qu'il y ait cette Organisation internationale des camélidés qui a donc cette idée, cette conscience du patrimoine des camélidés et tout ce qui concerne les chameaux. Donc, c'est l'importance de cet animal. Ce n'est pas le patrimoine de tout le monde. Cette organisation fournit tous les efforts internationaux dans le domaine du patrimoine des camélidés. Et les efforts privés et gouvernementaux, nous avons donc travaillé dans ce domaine. Il s'agit d'une affaire culturelle, patrimoniale, qui profite donc à tout le monde. C'est la culture de l'élevage. Et nous, en tant qu'éleveurs de dromadaires, nous sommes très heureux de travailler dans ce domaine. Passons à Christina, qui n'est pas seulement l'auteur de la livre qui parle des chameaux, c'est le monde mystérieux des dromadaires et des chameaux. Elle a également un autre livre qui parle de l'autisme qui a été publié dernièrement. Christina est aussi une journaliste qui a travaillé dans nombre de domaines et qui a eu des publications à travers le Washington Post. Elle a travaillé dans la radio internationale de plusieurs pays et travaille dans le domaine des médecines également. Et elle est aussi, ses publications se trouvent partout dans le monde. Elle a également eu nombre de prix internationaux et elle a un magistère dans le domaine de la culture. C'est une intervenante internationale. Et elle a également un prix de privilège dans le domaine de lait de chamel. Elle a également un prix international de sangria. Elle vit en Californie, aux États-Unis d'Amérique. Je donne l'opportunité à Christine de parler. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure introduction que vous avez faite. Merci beaucoup, Dr. Issam. C'est aussi l'auteur de livres sur les chameaux et les dromadaires, et je vous conseille de lire ce livre. J'ai mis ça dans mon livre. Je vais commencer par Assalamu alaikum. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, que nous passions un bon moment ensemble, qu'on puisse jouir dans ce domaine. Et merci de votre présence, de votre participation. Vous êtes tous les bienvenus à ce symposium, donc ce symposium international du livre sur le hantise des dromadaires et des chameaux. Nous allons parler des lait de chamel, puisque c'est la journée internationale de l'autisme. Donc, c'est une journée qui coïncide bien pour parler de ce domaine. Cette organisation internationale a été créée par Cheikh Mohamed Ibn Fahd Ibn Khatloun. Et tous ceux qui travaillent dans ce domaine, leurs efforts sont très appréciés. C'est une journée très importante de ce domaine. C'est qu'il y a quelque chose d'important sur le canal, c'est de parler de l'Organisation internationale des camélidés. Je vais essayer
la bibliothèque Roi Abdelaziz pour ses efforts et Dr Mubarak, ainsi que Mohamed qui nous a invités pour ce programme. Je voudrais également remercier Dr Elson pour ses recommandations et ses directions au début de ce symposium. Je voudrais également remercier dans le domaine des études de chameaux. Et nous allons parler donc des vertus de lait de chamel dans le autisme. Chameau et chamel, est-ce que vous croyez que les étrangers vous ont vous aidé? Est-ce que vous croyez qu'il y a... Nous allons donc voir de près ce qui nous intéresse sur l'écran. Donc, vous avez l'écran devant vous. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Donc, nous voilà. Donc, on commence par la première diapositive. Est-ce que vous pouvez changer la diapositive sur l'écran? Nous voudrions voir également les diapositives en cours de la présentation. Nous allons revenir. Donc, elle est en train de chercher la présentation pour pouvoir la présenter au public, pour que vous puissiez... Et voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez donc la présentation devant vous? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, d'accord, oui. Et Christine, vous avez la parole, Christine. Je vous remercie beaucoup. Nous savons tous que nous avons beaucoup de participants avec nous. Voyons de près cette vidéo que j'ai intitulée « Une seule mère, un seul chameau et plusieurs vies ». C'est une image qui m'impressionne beaucoup. Je suis avec quatre femmes d'Inde qui ont une culture différente et qui élèvent les moutons et les dromadaires. Donc, je suis une seule personne, je peux aider les autres, plusieurs personnes dans plusieurs domaines et dans les différentes parties du monde que vous allez voir au cours de cette excursion. Qu'il y a quelque chose de scientifique et que le dromadaire peut être donc, une source de guérison et parler avec n'importe quel type de gens dans le vent, les choses avancent toujours, je dis. Que vous voyez qu'il peut faire beaucoup de choses, il peut changer les choses. Puis, qui suis-je pour que je parle des chameaux? Et je n'ai vu les chameaux que dans les eaux, en fait. Je voyais les vaches, je connaissais les moutons, mais je ne connaissais pas les chameaux au début. Mais les choses ont changé. Je suis américaine. J'ai commencé donc à connaître les éleveurs de chameaux. Dans cette image, vous voyez une chamelle. Donc, sa deuxième semaine, je suis aux États-Unis. Comment est-ce que je me suis introduit dans la zone des...
J'ai travaillé aussi avec la NASA, avec le Pentagone. Je suis avec mon fils. Ça vous donne une idée, le début de cette histoire. Comment vous la voyez, ses joues sont roses. C'était le signe qu'il avait une sensibilité sur le lactose du lait. J'étais auteur et j'ai eu des prix. Et donc, mon fils a été diagnostiqué comme autiste. Donc, je devais tout laisser pour m'occuper de mon fils, laisser le livre, l'écriture, la vie personnelle pour m'occuper de mon enfant. C'est ce que vous devez faire quand vous avez un problème comme d'avoir un enfant autiste dans la maison. Donc, j'ai consacré toute ma vie à mon fils. J'ai laissé mon travail de côté. Donc, ce voyage a commencé il y a 5 ans à m'occuper pour diagnostiquer et travailler avec mon fils dans le domaine de la guérison. J'ai fait des études, je suis allé voir le médecin. Il avait un problème aussi pour de la communication. Donc, il y avait beaucoup de problèmes pour s'occuper de la guérison de mon fils. Donc, il y avait beaucoup de choses que je devais faire, que nous devons faire. Il a donc une bonne réponse aux médicaments et au régime auquel il a été soumis. Après, ensuite, quand il y a une expérience pour aller donc à la maternelle, donc il a été diagnostiqué comme autiste et j'ai écrit ce livre qui concerne un enfant réel, Christina Adams, qui parle de l'affection envers une personne autiste. Donc, après cela, nous avons eu les informations qui aident mon fils dans sa situation, mais malheureusement, je m'occupais personnellement et toute seule de mon fils. Et que tu es un autiste, toi, à la maison, tu as beaucoup de choses à faire. Et c'est bien quelque chose de très, très difficile. Donc, après avoir été séparé avec mon mari, donc j'ai levé mon fils, j'étais une mère seule, et je suis allé au zoo, j'ai vu un chameau. C'est une situation similaire à la situation dans laquelle nous sommes avec la situation envers le roi, dans la première, cela s'appelait. J'ai regardé le chameau avec sa grande tête, son corps élancé, ses poils. Je voyais un animal bizarre et différent. Les enfants essayaient de le nourrir, de lui donner à manger. Le chameau qui nous regardait attentivement. Ses yeux parlaient une histoire différente et grande. Et le HML a commencé à allaiter son petit alors que j'étais en train de la regarder. Elle ne savait pas que son lait et son sang pouvaient donner, faire des miracles. Son lait a guéri durant de longues années les gens. Donc, c'est un animal béni qui va créer une révolution dans le domaine de la médecine, qui va aider les chercheurs. Cette situation, c'est un simple animal mais, que j'ai visité dans un zoo. Mais c'était un début, un commencement, un coup d'envoi d'une longue histoire sur l'autisme. J'ai fait donc une étude pour aller ensuite en Inde, en Mongolie, en Pakistan, dans de nombreux pays, pour essayer de connaître ce monde nouveau. Et c'est quelque chose qui a impressionné les chercheurs et beaucoup de réduits. Mais à présent, je suis en train de regarder cette chamelle.
Ce sont des animaux qui parcourent des milliers de kilomètres, qui peuvent le faire, ils ont la capacité donc de le faire et qui allaitent et qui donnent de lait, de grandes quantités de lait curatif. J'ai vu un homme qui portait un casque et qui m'a dit, ça c'est un chameau, ou une digie, c'est une chamelle. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce chameau? J'ai essayé en tant que patient. Et petit à petit, j'ai commencé je me suis rendu compte que le lait de chameau n'a aucune sensibilité, ne peut pas donc causer d'allergie à mon enfant. Et je regarde mon fils, ce remède qui nous a coûté $500,000 de dollars, alors qu'en fait, ils savent que beaucoup de gens ne connaissent pas, la plupart des gens ne connaissent pas la maladie d'autisme et les difficultés de cette maladie. Un jour, j'étais en train de regarder mon fils et je l'ai mis à côté de la chamelle. Je lui ai dit, c'est une chamelle. Elle m'a dit, oui, ma mère. Et donc, je devais trouver ce lait curatif. C'est un récit, c'était donc une idée nouvelle. Je voudrais aider le système immunitaire de mon fils afin qu'il puisse causer le contrecarré. Donc, toutes les études s'accordaient sur ce domaine-là. Donc, je suis allé sur Internet et il n'y avait rien qui se rapportait au lait de chamelle. Donc, il y avait certains articles sur la guérison des plaies, sur la difficulté de faire du fromage de chameau. Et s'il y avait quelque chose qui m'a aidé, c'est il n'y avait pas, en fait, de données, d'informations. C'est l'autisme, c'est une maladie difficile et qui a un spectre, donc très difficile. Il n'y a pas de cause réelle de cette maladie. Et c'est pour cela que je ne me suis pas arrêté de faire des études. Et le lait de chamelle était l'un des éléments sur lesquels j'ai focalisé. Et c'était le début et j'ai entendu que ce lait, j'ai commencé à travailler, savoir qui va aider donc le système immunitaire. Donc, pour avoir le lait, j'ai demandé de l'aide pour l'avoir. J'ai essayé de trouver des personnes qui ont la possibilité de m'en procurer. J'ai trouvé un article en 2006 sur le lait de chamelle et l'autisme. C'était un docteur qui se trouvait en Palestine occupé et qui parlait de l'allergie de la nourriture, et donc essayer de le contacter. J'étais sûr que j'avais un ami pakistanais qui j'ai contacté ce domaine. Il m'a contacté et il m'a dit que je suis actuellement à l'aéroport. Tandis que l'aéroport n'a pas d'idée sur le lait de chameau. Et donc, j'ai parler avec un docteur en Palestine occupée et qui est spécialisé dans le cancer, qui a une théorie sur le lait de chamelle et l'autisme. C'est donc le docteur qui vit en Palestine occupée. Il aide à utiliser le chamelle pour guérir. J'ai apporté donc des bouteilles de lait de chamelle qui venaient du désert et je n'avais aucune idée, je ne rêvais pas de les avoir. Et si je suis ici en Amérique, je n'avais aucune idée sur le désert. C'était un instant très important dans ma vie qui a changé ma vie et ma façon de penser et de réfléchir. Ce sont des gens donc très importants dans ma vie et actuellement j'ai donc du lait brut que j'ai apporté du désert, de la chamelle, que je devais utiliser. Je me posais toujours les bonnes questions de trouver donc, les bonnes réponses. Et ça, c'est l'idée donc, c'est de ces bouteilles donc, congelées dans mon réfrigérateur.
des bouteilles américaines. Donc, c'est ça, c'est mon expérience. Je lui ai donné une demi-tasse de lait de chamelle avec des pilules. J'ai commencé donc le traitement. Donc, le jour le lendemain, les choses ont changé. C'était quelque chose d'important. Donc, il a pu descendre facilement l'escalier. Il est assis à la table et il a commencé à manger, à utiliser la fourchette, la cuillère et le couteau. Et il m'a dit, je t'aime, tu es une grande personne. Vous êtes des gens remarquables. Et c'était des moments sensationnels. Que l'amélioration de mon fils était quelque chose de sensationnel, de remarquable, qui était incroyable. Mais c'était quelque chose qui était devant moi, réel. Et donc, au cours de 3 jours, on a commencé à lui donner de lait de chamelle. Au cours de ces 3 jours, il a commencé à aller donc, au parking sans avoir à boire de l'aide. Et donc, il tenait les mains des autres enfants et il les traitait avec eux, il jouait avec eux. Quand on est allé sur la route et je me suis arrêté au feu, il m'a dit laissez-moi seul et je vais aller tout seul. Et il était capable d'aller donc au parking tout seul sans que je sois et grâce à ce lait de Chanel qu'il est devenu sa situation et qu'il a pu donc aller tout seul. Et ainsi son comportement a changé. Et j'allais lui donner de la nourriture, mais cela ne va pas. Donc, nous devons faire. Quand je lui ai donné de lait de chamelle, tous ses comportements mauvais se sont arrêtés. Et il a commencé donc à se comporter de façon très, très normale. Donc, de semaine en semaine, l'amélioration s'est allée d'avant. Beaucoup de nos enfants ont des problèmes. Donc, ils ont des symptômes. Comme certains boutons que l'on peut voir sur leurs joues, ainsi que donc l'allergie donc des joues, ces boutons sur les joues. Donc, tous ces boutons sont disparus complètement et il est devenu tout à fait normal et c'est à cause donc, de lait de chamelle. Sa manière de lire aussi s'est améliorée. Et de parler, et il était plus facile de parler, de le contacter, d'avoir de contact avec lui. Et c'est quelque chose qui n'existait, qui ne s'est pas du lieu de Chamel de la Palestine, cela a coûté beaucoup d'argent. Donc le lait venait d'une région très lointaine, et moi, je devais en faire beaucoup d'efforts pour l'avoir et dépenser beaucoup d'argent. Donc, mais il y a toujours des problèmes de douane. Donc, il faut donc contacter le gouvernement fédéral pour avoir les autorisations nécessaires pour. Moi, je ne veux pas faire cela. Et je savais que ces transactions étaient difficiles, ces formalités sont très routinières et ça prend du temps. Je travaillais au Pentagone et je connaissais bien la situation. J'essayais d'avoir les autorisations pour importer le lait de chamelle. Mais c'était quelque chose de difficile, en fait. Et c'était aussi, il y avait un risque à faire cela. Et j'ai découvert qu'il y a des personnes aux États-Unis les Amish, ce sont des gens conservateurs qui vivaient dans des zones spéciales, spécifiques. Ils se sont très attachés à leur religion, à leur patrimoine, à leur culture. Ils ne veulent pas avoir de contact avec le reste du monde. Donc, ils focalisent sur ce qu'ils attendent. Ils ont commencé donc, à élever des chameaux. Ils travaillent dans des fermes de façon très naturelle. Donc, ils ont utilisé le lait de chameau, de chamelle. J'ai essayé de les contacter.
et j'ai essayé d'avoir de ce lait américain. Parce que mon fils était la seule personne qui a eu le lait de chamelle de deux pays différents. Et on ne savait pas si c'était quelque chose qui concernait le lait ou si concernait donc, la façon de les élever. Donc le secret était tout là. Donc, mais la preuve, c'était mon fils, c'est que le lait qui venait de l'autre pays avait le même effet. Et comment avoir donc le lait de chamelle? Et c'est quelque chose de formidable de l'avoir ici aux États-Unis. Et c'est lui qui a eu un impact très important sur mon lit. Et après avoir écrit un article sur cette affaire, donc l'article que vous voyez devant vous, cela a eu donc un impact viral sur la situation. Et donc, après quelques années, après avoir vu les résultats de ce que nous avons fait, quand les gens mangent de la nourriture et qu'ils ont certaines allergies concernant certains aliments, il se fait que ce ne soit pas des allergies c'est une allergie aiguë. Donc, le lait de chamelle, quand il consommait du fromage ou du sucre, il avait donc cette allergie. Donc, ce sont des allergies qui existent aussi chez les enfants. Mais après cela, je lui donnais directement le lait de chamelle et dans 15 ou 20 minutes, il revenait à la situation. Il n'avait plus cette allergie. Et donc, il était capable de consommer du sucre, consommer d'autres aliments, et il y avait une amélioration d'environ 30% des symptômes de l'autisme. J'ai écrit un article médical sur cela qui a été adopté par un nombre de chercheurs qui s'est très intéressé à ce que j'écrivais. Ensuite, j'ai parlé de la conférence et de cette façon, on a commencé à l'industrie de lait de chamelle. Moi, je suis comme les autres. Je commence à passer beaucoup de temps avec les chameaux pour les connaître mieux. Je suis allé en Somalie, au Kenya, je suis allé aussi au Mexico, je suis allé en Europe, en Mongolie, en Asie du Centre, je suis allé au Maroc, en Mauritanie, en Palestine. Donc, j'ai visité beaucoup de pays et d'autres pays également pour voir et avoir une idée sur l'élevage des dromadaires et avoir une idée plus intense sur le lait de chamelle. Donc, nous avons présenté les éleveurs de chameaux j'ai passé beaucoup de temps avec lui à parler. Les chameaux et sur les chameaux. Donc, j'ai écrit ce livre pour avoir de l'idée. Donc, les gens, ils sont très surpris sur ce voyage. Ils me posent beaucoup de questions sur le lait de chameau, mais en tant qu'écrivain, je savais que ce n'était pas quelque chose de difficile. Et en l'écrivant, en 2016, j'ai écrit des articles sur le lait de chameau, mais au début, c'était facile d'avoir de la communication, d'avoir un avec tout le public. Il est difficile aussi de s'intéresser aux chameaux, mais au contraire de là, cela a eu un impact. Et en écrivant sur le Facebook, sur d'autres livres, donc l'effet a été très important. Je suis allé donc également en Inde et pour connaître le patrimoine, pour parler donc de la patrimoine j'écris que cette étude sur les chameaux en Inde va avoir donc un effet sur mes expériences et ça va aussi un impact sur la législation et sur la protection et la
régulation. Donc, Alson écrire donc des livres, cela a pris beaucoup de temps. Donc, les publicateurs ont donc fait l'éloge de ce livre. J'ai utilisé le patrimoine, les idées patrimoniales pour s'assurer des idées sur cette étape. Les médecins, les chercheurs ont adopté ces livres, ils ont approuvé ces livres. C'était un voyage privé sur les lits, sur les chameaux. Et j'ai rencontré M. Ajikoma au Nigeria, en Californie, et il vendait des joyaux qu'il a apportés dans son livre. Il m'a informé quand le livre parle sur les relations que j'ai donc eues avec d'autres, ainsi que sur d'autres idées sur la maladie de l'autisme. Et donc, j'ai informé sur ces études sur l'autisme et sur le lait de chamelle. Il y avait un guide sur la manière d'acheter, préparer et présenter le lait de chamelle. Ça rapporte à certains ingrédients et tous les aliments qui se rapportent à cette substance, ainsi que certaines prescriptions sur comment encourager donc l'enfant à accepter ce lieu, ainsi que la couleur du lieu que vous pouvez acheter. Pour vous donner tous les moyens, les recettes de préparer le lait de chamelle, ce livre a eu beaucoup de prix. C'est quelque chose de merveilleux pour moi. Beaucoup de festivités ont eu lieu concernant ce livre que nous devons participer tous. Le miracle doit être donc partagé. J'utilise le terme miracle parce qu'en fait, il s'agit d'un véritable miracle pour moi. C'est un miracle médical, scientifique, curatif et thérapeutique. Je parlais avec les fermiers patrimoniaux, les éleveurs partout dans tout le pays, de tous ceux qui souffrent de l'autisme, et cela va aider beaucoup les enfants qui souffrent de l'autisme, et tout ce qui concerne les chameaux, les dromadaires, ce que cela aide les parents à s'occuper mieux de leurs enfants autistes. Et il semble que les enfants, que les parents aiment aussi ces études-là. Je voudrais aussi également ajouter que Dr Elsa, ils ont travaillé beaucoup dans ce domaine pour mon fils approuve mon travail. Tous les enfants qui ont souffert de l'autisme, qui sont de l'autisme, approuvent cet autisme. C'est un professeur et un intervenant international. Je suis très heureux d'avoir son soutien. Je suis en Californie et quand je montrais avec mon fils en regardant les chameaux de loin, quand je regarde cette image, je me rappelle un verset de Coran. Pourquoi ne regardent-ils pas les chameaux? Comment elles ont été créées? Parce que c'est une création miraculeuse sur les miracles et sur les vertus de l'autisme. Je vois qu'il s'agit de créatures merveilleuses. Et avant de passer à la deuxième partie, nous allons s'arrêter un peu et nous allons partir de l'autisme. Et nous allons également avec Dr Elsa et sur cette maladie. Merci de Christina. Je voudrais occuper sur l'importance sur votre travail et comment le lait de chamelle en Inde, il y a 20 ans, c'était quelque chose de régulier, qui était contraire à la loi. Et celui qui utilisait le lait de chamelle allait en prison. Quelque chose donc de négatif. Donc, cela a changé. Diamétralement, il y a quelques années seulement, donc, le lait de chamelle est devenu quelque chose de régulier, qui n'est pas, et c'est quelque chose qui est, s'il n'y avait pas ces efforts que vous avez finis, cela n'était pas possible. Les choses ont changé
et cela a eu un impact sur les éleveurs de maladies ainsi que les autistes et dans les fermiers de dromadaires. Ce sont des enfants qui souffrent d'autisme. Donc, je voudrais écouter plus sur ce qui se passe quand tu parles de l'autisme. Que se passe-t-il? C'est quelque chose que je ne croyais que je vais aider ce type de malade, d'autiste, c'est l'enfant. Mais je pense que c'était un remède qui m'a donné le bonheur que je travaille dans ce domaine. Et j'estime beaucoup tous les éloges qui ont été faits sur ce domaine et pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine et qui ont contribué à améliorer ce domaine. Nous allons donc parler rapidement de l'autisme. Nous n'allons pas bien sûr parler en profondeur, mais nous allons parler des choses principales sur cette maladie. C'est une maladie qui commence à se développer dans le monde. Beaucoup de gens connaissent cette maladie, mais beaucoup d'autres n'ont aucune idée sur cette maladie. Donc, il y a beaucoup d'enfants aux États-Unis qui souffrent d'autisme. Cette augmentation est nouvelle. Il y avait des organisations qui observent et qui donc essaient de voir de près cette maladie. Les symptômes ont été au début moindres, mais maintenant ces symptômes sont devenus plus importants. L'autisme était très rare, un enfant parmi 10 000 enfants qui souffraient d'autisme au début. Cela avait donc un effet du point de vue mental, mais il s'agit d'une infime proportion. Mais cela a très vite changé. Donc, le pourcentage de l'autisme commence à développer dans les pays industriels. Mais il y a beaucoup d'études scientifiques qui parlent donc de l'humidité, de l'environnement, de la pollution. Qui donc peut causer cette maladie. Donc, dans ce domaine, tout va très lentement, comme dans le domaine des dromadaires. Je pense que le monde des camélidés a beaucoup aidé le monde de l'autisme. Il y a donc une science génétique qui s'occupe de l'autisme. Il y a beaucoup de types d'autisme, en fait. S'il y a des confusions nerveuses, des troubles nerveux, comme la schizophrénie, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études dans ce domaine. Le résultat, n'était pas très efficace dans ce domaine. Donc, il était très difficile d'avoir La plupart des études portent sur des domaines rentables. Et comment est-il possible d'avoir donc un brevet pour l'industrie de lait de chamel? C'était la chose essentielle pour moi. Donc, vous avez ici l'idée, donc avec cette image, sur la nourriture préfabriquée, préfaite, qui sont nocives. Selon une étude, 25% qui aident donc à la digestion sont tués par ces fast-food. Donc cette situation n'est pas donc du tout sanitaire. Il est très nocif. Donc, le chameau a la bonne digestion. Regardons de voir ces petites et assez belles images. Pourquoi est-ce que nous devons travailler dans ce domaine? Ce documentaire que j'ai fait, produit sur le chameau et l'autisme en Inde, ça nous donne une idée des enfants avant et après. Donc, c'est le premier enfant, un Indien d'Inde,
à gauche, et ensuite comment il aimait donc l'informatique. Il ne bougeait pas. Il était assis avec son iPad ou son ordinateur dans son livre. Et il ne bougeait pas beaucoup. Et après avoir vu le lait de chemin, elle a commencé à rire, elle a joué, à regarder la caméra et à changer de comportement. Donc les choses pour lui ont beaucoup changé. À droite, vous avez un enfant de 2 ans et demi. Et vous voyez donc des allergies autour de ses yeux, et l'allergie sur ses joues, des boutons. Il était donc ébahi. Et il a perdu, et vous voyez donc ses contusions sur ses genoux et sur son front. Il frappait son front sur le mur, sur le bureau, ainsi de suite. Il ne parlait pas, il ne causait pas, il ne buvait aucun lait. Et ils ont dit. On a demandé à son fille, à sa mère, de lui apporter un casque pour qu'il ne se casse pas la tête. Et après avoir bu le lait de chamelle, il a arrêté de nuire à sa personne. Et on a commencé à parler, il a commencé à causer. Et sa situation s'est améliorée beaucoup. Et ainsi que sa vie sociale. Regardez la deuxième image, comment il est. Regardez sa beauté, ses yeux souriants. Regardez son sourire. Et donc, un visage rayonnant et tout est bien. Il est devenu un enfant meilleur, de loin meilleur. Vous avez un autre enfant, il avait 7 ans, il vivait en Sydney, en Australie, et le lait de chamelle l'a beaucoup aidé en 2017. Il était coléreux, il a donc des tensions nerveuses, il ne pouvait même pas tenir. Son crayon, son stylo, et donc il avait une hypertension et donc il liait et ne pouvait pas, il était donc nerveux, agressif et il ne voulait pas, il avait donc une situation fermée durant des heures et c'était ça la plupart du temps, mais grâce au lait de chamelle, ça a arrêté, donc a interrompu cette tension nerveuse. Comme vous le voyez à droite, comme il est souriant, comment il donc résolvait ses équations mathématiques, et comment il faisait ça en riant, 10 fois 10, il riait, il bougeait, il regardait sa mère, il lui disait « j'ai fait un bon travail, ma mère ». Et donc, il devenait un enfant normal. Je me contactais. Donc, le lait de Chamel et l'autre, on ne les considère pas dans ce domaine. Les gens utilisent le nombre de domaines, le nombre de remèdes, et quand ils ont commencé à entendre parler de lait de chamelle, les choses ont changé. Il n'y avait pas véritablement de remèdes, de médicaments contre l'autisme, comme vous le voyez. Donc, mais ce n'est pas considéré comme un remède, un médicament. C'est pour cela que nous faisons ce symposium pour encourager à changer les choses. Les gens peut-être choisissent-ils et préfèrent les produits naturels au lieu d'avoir donc des ordonnances médicales. Et ici, vous avez ici certains donc produits de lait de chamelle, sont des yaourts, de lait caillé, de lait ordinaire, de fromage, ainsi de suite. Ce sont des produits faits par les Amish aux États-Unis d'Amérique. Donc, on s'arrête ici un peu pour voir un peu la science concernant le lait de chamelle. Christina, ces changements, ces mutations sont impossibles, on sent réel dans ce domaine, dans le domaine des enfants. Mais afin que l'on puisse avoir un médicament, c'est quelque chose de très coûteux. Et la question ici, c'est que ce sont les pauvres qui ont les dromadaires, que ce soit en Inde,
au Pakistan, en Afrique du Nord, ce sont les gens les plus pauvres de la société qui ont, si vous voulez, cette grande fortune avec eux. Et il faut que l'on soit capable d'avoir des canaux de communication avec eux afin qu'on puisse avoir un contact avec eux et avoir la possibilité donc, de les aider et d'aider les malades autistes. Et vous avez raison quand les gens préfèrent les produits naturels. Et il n'y a rien de meilleur que le lait de chamelle, comme vous le savez vous-même, comme vous l'avez déjà essayé. Donc, ça a un rapport avec le régime, avec ce que vous mangez, qu'ils viennent de Palestine occupée ou des États-Unis d'Amérique. Et en plus de ces informations, donc, nous avons beaucoup de choses sur ce que mangent ces animaux. Et ça a un rapport avec leur vie, bien sûr. En Inde, peut-être que ce qu'ils mangent en Inde n'est pas exactement la chose qu'ils mangent dans un autre pays. Donc, l'efficacité de dromadaire, c'est peut-être qu'il ne soit dans le désert et pas dans les fers. Mais en tout cas, être dans leur véritable environnement, ce sera meilleur. Mais être dans une ferme, c'est peut-être mieux tant que possible. Vivre dans l'environnement naturel, c'est meilleur pour les animaux. Je suis d'accord avec vous que le chamel était le même en ce qui concerne sa propriété curative en venant de plusieurs pays différents. Mais bien sûr, il se peut qu'il y ait des choses qui affectent la formation de lactose. Il y a des choses que les dromadaires mangent dans leur environnement naturel et cela peut avoir un meilleur résultat sur les maladies qui sont ciblées. Donc, c'est la question d'avoir le meilleur lait de chamelle. L'esprit essentiel avant tout, c'est d'avoir le lait de chamelle qu'on peut l'avoir de lait qui mangent dans leur environnement naturel, qu'ils soient en Palestine, au Royaume d'Arabie Saoudite ou en Afrique du Nord. Je pense que quelque chose de très important. Donc, nous allons un peu parler de la science et de lait de chameau. Nous avons donc ici une ferme de lait de chameau à Dubaï. On voyait comment on élevait les chameaux dans cet endroit. Les chameaux qui sont des animaux uniques. Donc, le système immunitaire, c'est différemment de tous les mammifères, ce sont donc des mammifères. Vous avez donc ce sont le même type la lama et c'est l'espèce de camélidée. Il y a donc une série d'animaux qui sont de cette même famille. Donc ils ont les mêmes antidotes, ils ont les mêmes anticorps, parce qu'ils sont de la même espèce. Donc, on savait très bien que du point de vue scientifique, on va avoir donc, les cellules donc, des dromadaires peuvent donc, absorber l'eau et conserver donc, les effets naturels dans le lait. Et de cette façon, ça se propage dans les cellules de l'animal qui garde l'eau pendant 30 jours. Ils peuvent conserver cette eau durant. Et ces cellules sanguines commencent à absorber ces eaux conservées. Donc, ce sont certaines spécificités de ce système de recyclage de l'eau dans le dromadaire qui est spécifique à cet animal, qu'on ne peut pas trouver dans n'importe quel animal. Ils ont donc des spécificités médicales, physique, biologique. Donc, c'est quelque chose de distingué à l'animal. Comme vous le voyez ici, ils ont des anticorps lourds. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la même chose qu'on trouve aussi également dans le requin.
Et ces anticorps sont capables de se protéger contre de nombreux types de maladies. Et cela peut-être concerne peut-être l'environnement difficile dans lequel vit le chameau. Donc c'est une idée génétique très courte. Donc, les gens utilisent ces anticorps à travers qu'ils le tirent. Donc, il y a donc un anneau corps qui est très important dans le cas pour se protéger contre les poisons de vipères et des scorpions. Et ça aide à l'immunité. Puisque nous sommes intéressés par la maladie de coronavirus, nous voyons cette image. Vous avez l'image de là-bas. Donc, ça a été testé avec le. Donc, on a eu donc le nanocorps, c'est une goutte de sang qu'on prend de l'animal de nana, qui contient des anticorps variés. Donc, ils ont pu connaître qu'il est difficile que le virus corona puisse s'attacher à ces anticorps. Ils ont essayé d'avoir des nanocorps, dans les nanocorps qui sont moindres, très moindres, qui peuvent se protéger et contrôler le virus corona. Donc, ils peuvent contrôler le virus coronavirus. Et vous avez ici comment ces anticorps s'attachent à ces virus corona et les détruisent. Donc, ces nanos, on peut les utiliser dans un évaporateur et on peut l'utiliser à travers le nez. Je voudrais avoir, qu'on puisse utiliser l'application. C'est une façon facile de se protéger contre le COVID-19 grâce à la technologie de nanotechnologie. Comment le lait de chamelle travaille? C'est une étude que l'on est en train de faire. Je voudrais dire d'abord, ce sont des vertus curatives et difficiles, très anciennes. Je n'avais pas de dire sur les vertus curatives du lait de chamelle. C'est quelque chose que traditionnellement, vous savez que c'est une matière très importante. Et on donnait traditionnellement cette substance à l'heure haute qui ont des spécificités, des capacités nutritives et curatives. Et ça provient peut-être de l'environnement, on sait que le lait de chamelle tue tout ce qui est nocif, et ça aide à créer à l'insuline, et c'est quelque chose d'antioxydant, et ça détruit, si vous voulez, le stress oxydatif, c'est quelque chose qui est contre l'inflammation et les allergies. Et ça aide beaucoup, ça contient des vitamines, des acides aminés, des acides gras, et ça aide beaucoup dans le côté de l'alimentation et dans les vertus thérapeutiques. Et ça permet de détruire tout ce qui est nocif dans le. Donc, ces anticorps vivent. Ces anticorps, en buvant le lait de chamelle, se gardent dans le corps et passent à travers le corps à purifier notre corps des oxydes et à travers les oxydes actuels qui ont été faits en Arabie Saoudite. Qui parle de le lait de chamelle et ses vertus, ses effets sur l'autisme. C'est aussi anti-allergie, inflammatoire. Il aide sur le lactose. Donc, ça,
Ça aide aussi donc sur un effet sur l'autisme. Et cela, donc le lait de chamelle peut avoir aussi un effet sur la conscience rationnelle et sur donc ça aide. Ce ne sont pas tous. Nous devons travailler ensemble et voir que ces bactéries peuvent protéger et avoir un effet sur le système nerveux meilleur. Donc, les études qui ont été publiées dans les laboratoires qui montrent qu'il y avait un effet sur la résistance contre le cancer, contre l'insuline, sur les allergies dans certaines nourritures et sur dans de mon expérience personnelle, j'ai pas cité dans mes articles, dans mes livres, ça peut avoir un effet sur les maladies donc de l'asthme, de l'anémie, l'allergie donc. Ça a donc un effet sur les maladies nerveuses. Ainsi que sur le diabète sucré, ainsi que sur les affections et tout ce qui est. Donc, le lait de chamelle a. Donc, vous voyez ici devant vous tout ce qui peut avoir l'effet de cette âme, le chameau, l'essentiel pour l'autisme, qu'ils ont la possibilité de communiquer et la possibilité de bouger. Donc, c'est ce qui est très important dans la maladie de l'autisme, c'est donc l'absence de contrôle et le manque de contrôle. Et cela, et le lait de chamelle aide dans ce domaine. Et ça, c'est l'essentiel. Ce sont des nouvelles importantes et de nouvelles. C'est Rena Solomon qui est membre, c'est une personnalité très connue. Elle travaille dans le domaine, elle va dans les zones de catastrophe, elle aide les gens à résister contre les catastrophes naturelles et les calamités. Elle a été elle a été atteinte par le diabète numéro 2. Elle a utilisé toutes sortes de maladies, de traitements. Et elle a commencé à boire le lait de chamelle, à acheter une chamelle afin qu'elle puisse avoir le lait cru et frais. Elle a été capable d'arrêter l'utilisation de l'insuline. Il est arrivé au niveau de 5,5. C'est un niveau que l'on peut donc contrôler pour les diabètes. Le niveau est devenu au niveau de moins de 100. Donc, il faut s'assurer que le lait arrive de sources fiables, qu'il soit bien conservé. Il y a dans certains pays où on peut donc avoir ce lait dans les meilleures conditions, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Sud ou ailleurs. Vous pouvez avoir vous pouvez aussi avoir les moyens de pasteuriser et de fermenter le lait. Tout ça, c'était dans mon livre. Donc, cette image, c'est de la ferme de la Miche qui ont allaité les chameaux, et ils le mettent dans ce seau, une sorte de filtre pour donc épurer le lait, et utilisent donc le lait dans les meilleurs. Et nous mettons ici pour qu'on puisse le congeler, ensuite bien transporter dans les meilleures conditions. Donc, nous passons à la dernière partie, parler avec Dr. Vesra concernant sur les chameaux.
Merci, Christina. Il y a de grandes études dans ce domaine où on peut avoir aussi d'avoir des statistiques adoptées par les différentes organisations. Nous savons que nous avons les chameaux et que nous avons donc des idées maintenant sur l'aide que cela peut donc apporter, les bienfaits curatifs et thérapeutiques de ce lait. Mais en général, beaucoup de médecins sont allés dans ce domaine et à part ceux qui commencent à avoir des connaissances dans ce domaine. Donc, on est capable d'apprendre de la culture, des patrimoines, des éleveurs de chameaux qui sont en contact direct avec les chameaux. Je voudrais citer ici quelques idées. C'est que le lait de chameau est très efficace pour soigner beaucoup de maladies comme la tuberculose. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades de tuberculose dans le lait et qui ont été soignés. Il y a aussi des études et des expériences sur l'anémie en Inde, qui est très répandue, notamment pour les femmes qui vivent dans le désert. Nous avons des clients qui donc parlaient avec nous et voudraient donc consommer le lait qui puisse leur donner de la force. Nous avons aussi des communications pour les stars, donc les vedettes de fashion, pour devenir plus longues, pour devenir plus grandes, pour avoir une santé meilleure, être plus rayonnante. Donc, nous avons vu beaucoup d'enfants qui souffraient de l'allergie. En consommant le lait de chameau, ils sont devenus meilleurs. Il se peut que cela aussi les grandisse un peu. C'est peut-être une vérité, mais on peut donc s'en assurer. Il est aussi très bon pour les os aussi, c'est très efficace pour les os. Et il se peut que vous pouvez avoir aussi ce cadeau qui m'a été envoyé de Chine. Il s'agit des rouges de lèvres qui est donc fabriqué à partir de lait de chameau. Mon livre, c'est à la fin de Le Kamel Crazy, à la fin de ce livre. La concentration sur les études de laboratoire dans ce domaine. Donc, il a donc renforcé la connaissance et la science nouvelle. C'est une nouvelle science, un cadeau pour tous, pour peut-être une catégorie bien, non pas seulement pour une seule catégorie, mais pour beaucoup de nos expériences vont donc devenir meilleures. C'est tout ce que je voudrais ajouter concernant mon livre. Nous allons parler également un peu sur les chameaux. Qu'est-ce qui est spécifique aux chameaux? Ce sont des animaux qui sont connus depuis 50 millions d'années. Sont très importants, qui peuvent vivre dans des conditions très difficiles. Ce sont des créatures un peu étranges. Nous connaissons les chameaux, mais c'est un animal très spécifique quand tu le vois pour la première fois. Parfois, tu peux trouver que leur physionomie est risible, mais quand il le connaît de mieux, il devient très beau. Ce sont des animaux plus belles, plus beaux que cet animal spécifique. Il y a environ 20 millions de chameaux en Afrique, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient. Il se peut que ces estimations ne sont pas très exactes. Nous avons besoin de ça,
mais il y a beaucoup de pays où vivent ces animaux. Quand on trouve, peuvent donc changer d'environnement. Ils sont différents donc des vaches, des moutons. En 2016, on a annoncé aux États-Unis que le système, que le lait de chamel est quelque chose de 2006 plutôt, qui a commencé. On a parlé des vertus curatives et institutionnelles du lait de chamel, mais cela ne s'est pas répandu. Ceux qui élèvent les dromadaires, c'est donc le chameau qui a une seule bosse. Les chameaux, les camélias sont des animaux très intelligents. Pour certains, ils disent que l'intelligence du chameau, c'est l'intelligence d'un enfant de 8 à 12 ans. Mais j'ai parlé avec une Australienne qui a dit que donc les dromadaires comme les enfants, c'est comme les hommes qui ont une intelligence supérieure. Ils sont très attachés à leur donc éleveur. Quand tu vas dans un troupeau de chameaux, il faut faire attention. Si tu vois cette image, si tu vois cela, il faut pas aller rapidement, il faut aller tout doucement pour ne pas être attaqué, si c'est le cas. Les hormones donc de masculinité peuvent être élevées. Les petits animaux, les petits chameaux aiment jouer et peuvent causer des blessures aux hommes accidentellement parce qu'ils croient qu'il est facile, mais ce sont des animaux parfois difficiles de traiter avec eux. Ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de gens qui ont communiqué avec moi et qui voudraient avoir donc l'industrie de lait de chamel, je voudrais dire qu'il faut être capable de traiter avec ces animaux. Oui. Donc, c'est un bédouin qui travaille et qui traite avec les animaux avec les dromadaires. C'est un grand dromadaire soudanais. Vous voyez qu'il est très petit, l'homme est très petit par rapport au chameau. Donc, il y a beaucoup de types de chameaux ici en Occident. Donc, il y a nombre de types d'animaux dans le pays, comme vous le voyez. La viande de chameau aussi a beaucoup d'effets nutritionnels et aussi curatifs. On a beaucoup profité de tous les produits qui proviennent de chameaux, que ce soit en Égypte ou en Afrique. Cela donc aide les pasteurs et aide donc à élever le niveau. Nous n'avons pas ici aux États-Unis des fermes de chameaux. Nous avons nous n'avons pas assez pour utiliser un investissement. Il faut qu'il y ait donc une société qui essaie donc de profiter de ces animaux pour avoir les meilleurs produits dans ce domaine. Mais heureusement, l'année donc de Camélidé 2024, il va y avoir donc une fête sur les dromadaires et les chamois. Ce sera une allée pour les Camélidés en 2024 pour avoir une meilleure sensibilisation sur les Camélidés et qu'il va y avoir beaucoup d'animations, symposiums et beaucoup de réunions sur ce domaine afin de connaître mieux ce domaine et d'avoir donc beaucoup de festivités, de conserver, de profiter pleinement de ces animaux. Cela représente l'identité patrimoniale, culturelle des tribus
nombreuses à travers le monde. La disparité biologique et génétique sur le que nous devons faire. Donc, c'est une industrie qui est en train de progresser, qui représente plus de 10 millions de dollars en 2020, et grâce donc j'ai commencé à travailler. Il y avait peu de fermes de dromadaires, environ 3 000 tonnes de lait de chamelle, mais 70% du lait de chamelle est utilisé par les propriétaires des royaumes d'Arabie Saoudite pour le lait de chamelle. Certains produits provenant donc de lait de chamelle à avoir. Mais attention, il y a toujours aussi des produits de contrefaçon. Vous avez ici une image aux États-Unis d'Amérique. C'est une ferme de chamelle des Amish aux États-Unis d'Amérique. Cet homme aime les dromadaires. Il a commencé à travailler il y a longtemps. Son travail s'est développé et sa ferme donc s'est développé pour avoir donc cette industrie avec sa femme Savannah. Ils ont donc 3 enfants et qui allaitent dans le lait de chamelle dans cette prairie de 70 hectares. Ce sont des sociétés privées qui travaillent à part et qui vivent loin des gens et qui se séparent donc de la vie industrielle et de la vie moderne. Donc, les tribus connaissent bien la sagesse des dromadaires et des chameaux. Et beaucoup de civilisations s'occupent et s'occupaient des chameaux. Et cela a beaucoup aidé les gens pour avoir du commerce, pour avoir des fortunes. Et sans dromadaires, ils ne pouvaient pas vivre. Donc, le type de leur vie, c'est qu'ils peuvent utiliser ces animaux. Oui. Ce sont les tribus de l'Aoui au Soudan qui se déplacent avec les ados de chameaux. Ils passent donc d'une zone à la recherche donc, de l'herbe, de l'eau et d'un environnement propice pour leur survie. C'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est l'un de mes amis que vous voyez ici sur la photo. Il s'appelle Siliamr. C'est un Touareg au Niger. Il entraîne et il dompte les dromadaires aux États-Unis. Il a une connaissance très profonde sur la vie des tribus. Il comprend les animaux et il comprend les dromadaires comme il se doit. Donc, si des exemplifiants, il peut donc interpréter ce que disent les chameaux et ce qu'elles ressentent. S'il dit, si je le savais bien, je serais resté chez moi et élever les chameaux. Donc, n'importe qui peut donc profiter des méthodes tribales de l'élévation de chameaux. C'est quelque chose de différent, mais on peut profiter des tribus où vivent les dromadaires. Et cela nous aide beaucoup à améliorer le système immunitaire déjà. C'est dont nous avons besoin dans notre vie, Sidi et moi, nous avons fait la même chose. Nous sommes venus de la terre et nous allons revenir à la terre. Que l'on apprenne nos enfants afin qu'ils soient meilleurs, qu'ils peuvent donc traiter avec les animaux, avec l'environnement et donc profiter de cette connexion entre le genre humain et les animaux et éviter donc d'utiliser les portables, la technologie moderne
qui corrompt parfois la vie, avoir ici la possibilité de travailler seul, d'avoir donc cette indépendance, et ça améliore leur immunité dans un monde meilleur. Voyez l'enfant qui boit le lait et qui est heureux, tout est heureux, toute action. C'est dans une ferme en Floride qui s'appelle donc avec un programme TNC, et vous avez ici des animaux de la mare avec les dromadaires ensemble. Ils vont donc dans cette ferme et ils boivent le lait avec les guerriers et les tribus qui vivent leur vie. Mais nos amis ont besoin d'aide. Et il y a beaucoup de problèmes donc, d'eau dans ces zones. Et alors qu'ici, les enfants s'occupent de leur tablette. Le lait de chamelle peut aider nos enfants et on doit aider ces tribus. Donc, ils ont des problèmes de déplacement. De même, aux États-Unis, il va y avoir des difficultés de communication quand il fait très froid. Mais dans certains pays, ils ont des problèmes de déplacement et pour le gouvernement ne s'occupe pas beaucoup de ces choses parce que certaines législations concernant le lait de chamelle n'existent pas. Et ici, en Inde, comme vous le voyez, dans le festival de Kashgar, la tribu de Raika. Vous voyez cet enfant, c'est quelque chose de triste parce que l'argent devient rare et la vie devient plus difficile pour ces tribus qui vivent dans la nomadité. C'est une question culturelle, patrimoniale et nous devons tout faire pour essayer d'aider. Vous voyez ici, ce sont certains exemples sur la manière d'utiliser le lait de chamelle. Vous avez un enfant qui est en train de l'allaiter sa chamelle. Et ensuite, il la donne à cette personne qui va transporter ce lait pour que cet enfant puisse le consommer dans les villes. Donc, on doit garder le lait congelé et qu'on en transporte vite. Ça, c'est très, très important pour que le lait arrive sain et sauf et qu'on puisse profiter à l'enfant malade. Autre chose, vous pouvez trouver tout ça dans les rives. On a besoin d'études supplémentaires, de recherches pour avoir les meilleurs résultats. Et donc, on a besoin de financement pour améliorer, perfectionner cette industrie parce que pour certaines familles, elles souffrent même sur la possibilité d'avoir le lait à un prix modique ou donc possible. La chamelle peut devenir un prix de paix et de sécurité, de développement et de progrès. Ça, c'est une image en Somalie. Dans cette image que vous voyez devant vous, il dit que cette chamelle, c'est le symbole de beauté, de passion. Il est très joli et très passionnant de voir cette image. Nous voyons ici Dr. Ilsa et j'étais avec elle au cours de cette conférence. Elle a parlé de ces questions de lait de chamelle et de chameau. C'était une conférence internationale, donc je pense que les meilleures relations entre les enfants. Un sympathisant de Twitter m'a posé une question et qui cherchait de lait de chamelle. Il est allé à Rajasthan, en Inde, et n'a pas pu avoir ce lait. Donc, elle a demandé au président d'un chemin de fer ferroviaire d'avoir ce lait.
Et là, lui a dit qu'il était capable de lui apporter de l'échamel pour ton enfant. Et ensuite, ils ont dit, si un enfant qui a besoin d'échamel, on va essayer d'avoir des exceptions afin qu'on puisse leur apporter et leur procurer de l'échamel pour leur guérison. L'échamel grigne les gens à travers les opportunités de communication. Nous voyons aussi la famille réunie avec cet enfant qui souffre d'autisme, qui a eu cette aide, et cette femme américaine qui aide les malades d'autisme. Donc, c'est un mouvement international que nous avons commencé. Il y a des milliers de familles qui passent et qui souffrent de cette maladie. Et les études commencent donc à devenir plus importantes. Et en tant que mon rêve, c'est d'avoir, donc, c'est un message de paix. Et c'est un message qui s'est réalisé, un rêve. Et la première fois que j'ai vu l'aide de Chamel vendu à San Francisco, et c'était un bonheur pour moi. Ça, c'est un article dans une magazine. Moi et le savant en Égypte qui parlait de l'échamel. Ce que je voudrais dire, donc, que vous devez comprendre, c'est que n'hésitez pas à demander de l'aide pour avoir ce dont vous avez besoin sur l'échamel. Mais quand on ne demande pas l'aide, mais quand il s'agit d'avoir de l'aide de Chamel, j'ai demandé de l'aide. J'ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup d'aide. C'est un récit sur une histoire. Une femme de Pakistan a parlé avec moi et m'a dit elle était très inquiète parce qu'elle avait des enfants qui souffraient d'autisme et l'autre qui était sourd-muet. Elle m'a demandé est-ce qu'il est possible de me dire. J'ai essayé de l'aider et ensuite j'ai trouvé des psychiatres qui travaillent dans ce domaine. Ils ont décidé d'utiliser la capacité pour offrir de l'aide à cette femme pakistanaise. Donc elle a dit que cette campagne de Thomas. Avec cet enfant, ils ont utilisé cet chameau pour faire jouer les enfants. Ils ont fait des dons. Et dans deux semaines, nous avons envoyé donc, de l'argent à ces familles pour qu'ils puissent aider ces enfants, et qu'ils puissent être saignés, et qu'ils puissent soigner ce sourd-muet. Nous voyons cet arbre. Et je voudrais dire qu'il n'est pas possible de changer le monde tout seul, mais il faudrait donc travailler ensemble. Il faut changer donc le monde si vous avez de l'aide, donc de l'assistance. Et cela, donc, c'est une sorte de germe qui va donc grandir, comme l'a fait cette femme au Pakistan, qui l'a fait pour ses enfants et pour sa famille. Puis cela a aidé les enfants et aussi les enfants aux amis. Je remercie pour votre attention et pour m'avoir écouté. Et je vous rappelle que nous sommes tous de différentes nationalités, différentes civilisations, différentes cultures. On peut devenir des amis. Et si j'essaie donc de propager ces informations à travers mes livres, mes articles. Et j'espère que vous allez faire la même chose que je l'ai fait, le Camel Crazy. C'est mon livre qui parle de ce miracle. Et comment avoir le lait de chamel, comment l'utiliser, comment avoir, donc, faire utiliser la recette de fabrication. Et je remercie la bibliothèque Oasis sur l'Internet. Il y a aussi le groupe de Hunt au Royaume-Uni, le site donc, le site de Christ. Adams sur Internet ainsi que sur Twitter, Instagram
Christina Adams Holte, ainsi que sur Facebook, et Hump Group, aux États-Unis, au Royaume-Uni, passant à Dr. Elson. Je remercie beaucoup. C'était un exposé sensationnel. On peut affirmer que les dromadaires peuvent lier les gens entre eux, les réunir, les rassembler. Nous avons les mêmes sensations, les mêmes sentiments, et le mouvement est international, et c'est une culture du monde entier. Nous vivons dans un monde qui nous réunit, qui nous assemble. Je vais faire un petit commentaire. Beaucoup d'enfants, comme cette ferme que là se trouve à Dubaï, c'est que la beauté des chameaux, c'est quelque chose de sensationnel. C'est pas donc le lait de chamelle, c'est pas comme le lait de vache, c'est quelque chose de très. Mais attention à toutes sortes donc, de contrefaçons. La qualité du lait de chamelle, c'est qu'il soit naturel. On ne veut pas que l'on triche sur le lait de chameau. Si tu le bois directement, tu vas avoir les effets curatifs, nutritionnels et donc diagnostiques. Il y a donc un réseau de tribus de petits fermiers qui travaillent ensemble pour nous produire, pour nous donner ce lait sensationnel, et cela va aider les familles. Et s'il y a une institution qui va travailler dans ce domaine, il se peut qu'elle va travailler sur la rentabilité, et peut-être que cela ne va pas beaucoup aider les gens handicapés dans ce domaine. C'est un point de vue personnel, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, Elson. La situation meilleure, c'est d'avoir des chameaux naturels. Nous voudrions que cela se passe, que la plupart de ceux qui sont en train d'établir des fermes de dromadaires. Donc, il faut donc renforcer et sensibiliser les gens pour vraiment profiter aux familles. Donc, ils n'utilisent pas les produits artificiels qui corrompent un peu le lait. Donc, on veut qu'on garde le lait de chamelle de façon très naturelle et qu'on ne l'utilise pas des moyens artificiels pour le changer et le modifier. Il faut voir il faut garder l'environnement naturel dans lequel vivent les drameaux. Est-ce que vous pouvez, Christina, je vous remercie beaucoup, est-ce que vous pouvez répondre, est-ce que vous avez entendu un enfant qui avait des effets négatifs sur le lait de chameau? Oui, j'en ai entendu, mais cela ne se passe pas que de façon très rare, ce n'est pas régulier. Il se peut que dans certaines circonstances, il se peut qu'il y ait des spécificités pour ces gens. Mais c'est quelque chose de rare parce que ce sont des effets secondaires qui peuvent être temporaires, provisoires, qui peuvent être se produire avec n'importe quel autre médicament, avec n'importe quel autre aliment. Donc, il y a un grid dans mon livre qui vous donne une idée sur les quantités à boire, la façon de le faire. Il y a beaucoup d'informations très utiles. Mais pour les adultes aussi, qui ont donc des problèmes sanitaires en ce qui concerne sur les quantités, donc il y a des recommandations, des directives. Les effets secondaires ne sont pas un problème, ça n'arrive que pour peu de gens. C'est très bien, merci. Il y a beaucoup de sites sur Internet qui parlent donc du lait de chameau. Le livre est électronique, vous pouvez le trouver aussi. Pour certains pays, c'est difficile de l'avoir comme au Pakistan. D'autres
On peut les envoyer par courrier, mais il y a les livres électroniques. Il y a beaucoup de gens qui peuvent donc obtenir ces livres et qui veulent obtenir ces livres. Si vous avez le chamel et vous voulez avoir de l'envers, vous pouvez devez lire le livre. Il y a beaucoup d'informations. Je pense que nous sommes prêts, disposés, et vous remercier beaucoup pour cet exposé. Nous voudrions également remercier aussi l'Organisation internationale des camélidés pour cette symposium et pour le roi Laoulesh Farazis. Je vous remercie beaucoup pour ce défi que vous êtes en train de faire. Je voudrais remercier donc la bibliothèque roi Abdelaziz pour les facilités techniques fournies. Donc, on a eu donc toutes les informations sur vous et sur votre livre, et nous espérons que vous fassiez meilleur dans ce domaine afin qu'il y ait de meilleurs effets pour les lecteurs et pour le public. Et je vous remercie beaucoup. Et bonsoir à tout le monde, ou peut-être bonjour ici. Et je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez dire quelque chose Je veux remercier Dr. Elsa. Je pense que vous avez fait un bon travail. Je veux remercier mes amis au Royaume d'Arabie Saoudite. Je vous les remercie infiniment. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous entendre, d'entendre mon récit sur la hantise des dromadaires. Et merci pour votre attention. Et je remercie donc la bibliothèque Royale d'Aziz pour ce qu'ils ont fait. Et pour tous les téléspectateurs. Merci beaucoup.